On est de retour pour notre deuxième séquence de la semaine du village où on a le plaisir d'avoir Naa de Sankofa Junior pour nous présenter et en savoir davantage. Patopé, tout le monde, merci. Ça nous fait plaisir aussi d'être là. Alors Naa, je vais te laisser te présenter à tout le monde et puis après je te donnerai la main pour qu'on puisse tous soit découvrir ou redécouvrir Sankofa Junior. OK. Donc, bonjour à tout le monde, à Topé. Moi, c'est Na. Je suis l'une des trois responsables de Sankofa Junior. Puis, je vais me présenter moi-même. Donc, je suis une maman de trois enfants. Puis, donc, ils ont 15, 11 et 2 ans et demi, presque 3 ans. Et j'en ai deux qui sont justement en instruction à la maison. Donc, c'est ça, je partage pas mal ce que vous vivez un peu tous, tout ce que certains souhaitent vivre. Et donc, c'est ça, en plus de ça, donc, on essaye de travailler avec nos plus jeunes afin qu'ils puissent avoir le goût, puis leur transmettre nos savoirs ancestraux. Et puis qu'ils puissent révéler en fait ce qu'ils ont en eux de façon naturelle. Donc voilà un petit peu. Petite courte présentation de moi-même, puis sur Sankofa Junior, je pense qu'on pourra développer un petit peu. N'y a pas de problème. Je te donne la main, juste nous préciser où, alors peut-être pas où tu es situé actuellement, mais où tu vis. Où est-ce que je vis? Oui. Oui, c'est ça. Sankofa Junior, c'est au Canada. Donc moi, je vis proche de Montréal. Essentiellement, mais notre équipe est basée en grande partie à Montréal, puis au Canada, puis on a aussi une des responsables qui se trouve en Guadeloupe. Ok, je te donne la main de suite. Si on n'a pas de questions, et comme ça, je pense qu'on aura les questions juste OK. après.